absolument tout. Il a bougé. La terre est mon pouvoir et ma force. Il a été décidé d'utiliser contre toi ces trois charges de terre. Il a bougé. La terre. Maguin a retrouvé sa forme. Il a été décidé d'utiliser contre toi ces trois charges de terre. L'éclat du croc sanglant, rouge cardinal. L'ouragan de sang noir, carmin sombre. Et enfin la force de l'acier, ciel brûlé. Dessèche et brûle, c'est toi que j'invoque, Ifrit. L'invocation de Kazé va se faire tuer. Je crains que même la force de Maguin ne puisse vaincre Omega. Quelle que soit la nature de l'ennemi auquel je fais face, il cédera devant les flammes brûlantes d'Ifrit. Je ne sens plus la présence de son esprit. Et Kazé, où est-il? Regardez là-devant. Loup. Omega, lui, est anéanti à jamais. Il en faut plus que cela pour tuer Omega. Nous n'en avons pas terminé avec lui. Monsieur Kazé! Mais j'ai compris une chose, Monsieur Kazé. Cette fois, c'est à moi de voler à votre secours.
Je vous dois la vie et à partir d'aujourd'hui, je fais la promesse de la brûler. De la brûler pour vous. Mackenzie, quelle est cette vilaine rumeur qui dit que Vent Noir serait encore en vie? Que se passe-t-il là-bas? Il me semble que cela vous a pris beaucoup de temps de régler le puzzle de l'océan. Pensez-vous que ce soit la meilleure façon de prouver que vous avez les moyens d'en finir avec Vent Noir? Vous doutez de moi, Piste, l'un des quatre seigneurs de Godium, le maître des profondeurs de l'océan? Il est impossible que j'échoue. C'est ce que vous prétendez. Dorénavant, Mackenzie et les autres ne sont plus d'aucune utilité. Comment osez-vous dire une chose pareille? Mackenzie, chérie, tu ne vas pas le laisser dire ça. Puis-je commencer des opérations pour prouver que ce que j'avance est vrai? J'aimerais bien voir ça, en effet. Vas-y, n'aie pas peur. Utilise ta technique pour voir. Tu l'auras volé. Mackenzie doit tout son pouvoir à cette brume. L'affaire est donc très simple. Tout ce qu'il y a à faire, c'est neutraliser la fiole qui la contient avant qu'il ne l'utilise. Retenez bien ce que je vous dis. Si vous connaissez bien votre ennemi et que vous élaborez un plan, il n'y a rien qui puisse vous faire peur. Tout à dire, ça me plairait drôlement de pouvoir changer de forme comme tu le fais. Toi, si tu pouvais te transformer, ce serait en lionne. Je peux savoir ce qui te fait dire ça? Oh, vous avez raison, au fond, je suis pas si mal que ça. Enfin, vous voilà, grand fou. Je vous ai cherché partout, mais je n'aurais jamais espéré vous revoir si tôt. Je suis si heureuse. C'est le destin qui l'a voulu. C'est exactement la rapidité de réaction que j'avais prévue. J'arrive! Tout cela est très conforme aux conclusions que j'avais tirées de mes données. Je n'aurai aucun mal à vous régler votre compte, mes gars. C'est l'un des hommes de main du comte. Eh oui, je m'appelle Piste. Rendez grâce à cette main qui vous donnera la mort. Ah! Tu aurais pu attendre que j'ai fini de me présenter. Qu'est-ce que tu espères me faire avec ce jouet? Tu devrais plutôt te servir de l'autre. Mais quoi? Qu'attends-tu? Y aurait-il un problème avec ton magasin? On a intérêt à s'éloigner d'ici. Il a bougé! La terre est mon pouvoir et ma force. Ça, je t'ai piqué ton magasin. Mon... Monsieur Kazé court à l'abattoir. Apportez-moi un miroir, dépêchez-vous. Mais attends, Lou, ça c'est un miroir de dentiste. Monsieur Kazé, accrochez-vous. Je viens à votre secours.
esprit de lapin. C'est tout ce que vous avez à me proposer? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont disparu et ce maudit vent noir avec eux. Où sont-ils passés? Qui était cette fille? Elle ne figurait pas dans mes données. Mais le magin est à moi maintenant. J'ai déjà remporté la victoire. Cher Monsieur Kazé. Comment se... Alors, tu croyais t'en sortir aussi facilement? Tu voudrais me refaire le coup du miroir? Pas si vite! Lisa! Prise au piège dans la pâte de sable telle que vous l'êtes, vous ne tarderez pas à suffoquer et à mourir. Il faut que j'en finisse le plus vite possible. Tu ne peux pas me battre avec une arme aussi ridicule. Y aurait-il un problème avec Maguin? Serre-t'en, vas-y. Qu'est-ce qu'il nous fait, là? Il est devenu fou. Très bien. Dans ce cas, je vais te montrer le fruit de mes recherches. Je vais mélanger les terres et faire appel à la plus grande des invocations. Il a été décidé d'utiliser contre toi ses trois charges de terre. L'éclat de l'intelligence qui brille, orange merveilleux. Qu'est-ce que vous comptez faire contre ça? Le désir d'une quête sans fin, violet folie. Promesse d'une victoire parfaite. Rose corail, oui. C'est la combinaison parfaite et indéfectible. Hurle, Maguin, et suis bien le flux de sable qui s'écroule. Vas-y, tire. Toi la plus grande des invocations. Quoi? Mais qu'est-ce que... Le sable s'en va. Mais c'est... Maguin fait partie de ma vie. Personne d'autre que moi ne peut s'en servir. Le pouvoir qu'a cet homme. Alors, Piste, dites-moi, c'était ça le plan génial dans lequel vous mettiez une confiance sans borne? Non, pas tout à fait. Cette fois, c'était juste un test destiné à en savoir plus sur le point faible de ce Maguin. Cela m'a permis de prendre des notes importantes. Incroyable!
Ce ne sont tout de même pas... Mais si, je connais ces deux dragons. Cet homme. Je vous charge de vous occuper des océans. Oui, votre excellence. Fouillez les hauteurs du ciel, les profondeurs des océans. Fouillez absolument partout, Fungus. Omega est éparpillé dans tout le pays. Je veux que vous le trouviez. Excellent. Ouais. Oh, votre excellence, si vous vous montrez aussi désagréable, vous ne vous ferez jamais aucun ami. Herba, je vous avais demandé d'aller à la recherche d'Omega. Figurez-vous qu'au moment où nous parlons, je suis en train de me procurer un nouvel outil de recherche. Pourquoi tant de cruauté envers moi? Ce n'est pas très gentil de me traiter de cette façon. J'ai interdit qu'on remette les pieds ici avant d'avoir retrouvé Omega. C'est valable aussi pour vous, Mackenzie. Lorsqu'Omega a été détruit et éparpillé, ses innombrables morceaux se sont transformés en cristaux. Il est extrêmement difficile de les retrouver aujourd'hui. Ça suffit! Je vous demande humblement pardon, Excellence. Omega! Le flux d'énergie vient de changer subitement. Mon ami, je vous trouve bien sévère d'attaquer sans avoir eu au moins la courtoisie de vous présenter. Je suis l'un des quatre seigneurs de Codium. Je m'appelle Oscar. J'aurais dû me douter que c'était l'un des sbires du comte. Pourquoi est-ce que vous ne cessez jamais de nous persécuter, vous et vos amis? Par égard pour le pays des merveilles, nous devons éliminer ce diabolique destructeur. Je ne comprends pas, il a dit destructeur? Nuage blanc. Nuage blanc, vous dites? On n'est pas terminé avec lui. Il est tout à votre honneur de vouloir finir ce que vous avez commencé, mais au risque de vous décevoir, laissez-moi vous dire que Mackenzie se désintéresse totalement de vous. Il a bougé. Larguez les missiles! Que se passe-t-il? Ça, c'est bien vu! Bravo! C'est bien vu! Bravo, loup! Surtout ne me remerciez pas!
vous de jouer, monsieur Kazé. Allez-y, réglez-lui son compte. Mon robot ici présent, QB Ashura, a été conçu pour parer à toutes sortes d'attaques, que ce soit une attaque par le froid, la chaleur, la lumière, ou même un impact énorme, de quelque nature qu'il soit. C'est pourquoi je doute que vous ayez une terre efficace contre un adversaire de cette trempe. Il a été... Pénètre. C'est toi que j'invoque. Odin. J'ai trouvé ma place dans la vie. J'ai trouvé la preuve de mon existence. C'est Monsieur Kazé. Je veux rejoindre Monsieur Kazé. Où qu'aille Monsieur Kazé, il faut que j'aille avec lui. Il s'est éloigné pour ne pas mettre nos vies en danger. Mais je suis sûre qu'il n'est pas loin. Je dois aller l'aider. Si je n'avais pas arrêté ses missiles, il l'aurait pulvérisé. Tu vois comme je suis courageuse, hein? Oui, mon cher Kazé, reconnais-le, personne mieux que moi, dans le pays des merveilles, ne pourrait mieux s'occuper de toi. Je viens de le prouver. Et puis de toute façon, je tiens à te dire que tu n'as pas le choix. Je dois être avec lui. En tout cas, en ce qui me concerne, ma décision est prise. Je sais ce que je dois faire maintenant. You, aïe. Lou. Salut. Lisa, cette fois, Monsieur Kazé est à moi, rien qu'à moi. Bye bye. Destructeur. Donc, je suppose que vous avez retrouvé Omega. Pas tout à fait, Votre Excellence. Alors, qu'est-ce que vous avez fichu, Oscar? Je vous prie de me pardonner, Excellence. J'étais occupé à chercher quelque nourriture pour le chaos. Et alors? Eh bien, il a encore grandi d'un niveau. Il se porte tout à fait bien, comme un charme. Oui, le chaos se porte bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Yeah!
Dépêchez-vous de vous éloigner avant qu'il ne se mette à grossir. Hein? Tu as été formidable. Tu as un de ces coups de patte. Ça me rappelle beaucoup la fabuleuse époque du légendaire ciel. Mais alors, qui êtes-vous? Je suis la petite sœur de Chocobaba, la protectrice des chocobos. Je suis Chocoimo. Chocoimo? Ou quelque chose comme ça. Quelque... Aucun indice par ici. Retournons prendre ce métro fantôme et continuons notre route. Vous avez bien raison. Si Omega se montrait maintenant, vous seriez fichu. Omega? Omega est donc toujours proche d'ici? Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. En tout cas, il détruit tout sur son passage et cause de grands ravages. Ou quelque chose comme ça. Il a finalement survécu à ce combat. Étrange. Ou bien alors... Omega, c'est quoi comme truc exactement? Oh, c'est une urgence, excusez-moi. Hé, hey, attendez une minute. Oh. Hein? Vous vous rappelez ce qu'a dit Lou? Les morceaux éparpillés d'Omega parcourent le pays des merveilles. Oui, et le morceau qui nous a attaqué l'autre fois, c'était une grée. Ça veut dire qu'en plus de celui qui se balade dans le coin, il y a d'autres morceaux. Quel dommage que Ciel ne soit pas là. Et c'est qui, ce Ciel? Ciel, le légendaire chocobo. Ciel est un chocobo? C'était quel genre de chocobo? Il a remporté la grande course de chocobo qui s'est tenue il y a longtemps à Chocobo City. Ça lui a rapporté tellement d'argent qu'il a vécu dans le bonheur sans jamais avoir plus besoin de travailler. Le train va partir. Dépêchons-nous. Bon, Madame Chocoimo, nous allons... partir ou quelque chose comme ça, je sais. Allez. Alors, on va le prendre, ce métro, ou quelque chose comme ça? On te suit. Hein? Vas-y, Choubi, n'hésite plus. On va rater le train. Vite, qu'est-ce qu'on attend? C'est bien la première fois que ça arrive. C'est un monstre. Et il n'a pas l'air commode, celui-là. Quel esprit terrifiant.
Exactement le même que celui d'Oméga. Tu crois que ce truc, c'est Oméga? Non. La dernière fois, il s'agissait de la griffe d'Oméga. Il doit s'agir peut-être d'une autre partie de son corps. On n'est pas sorti tout seul à l'air libre. Le sous-sol a été expulsé par cette chose lorsqu'elle a voulu s'y introduire. De doute, c'est bien le monolithe du légendaire ciel. Je me sens tellement honoré. Merci, merci. Je n'aurais jamais osé espérer me trouver devant lui. La légende du grand ciel était donc vraie, ou du moins, le mystérieux pouvoir du plus valeureux des chocobos s'est transmis de génération en génération. Au fil du temps, le nombre de super chocobos s'est fait plus rare jusqu'à ce que l'héritage lui-même se perde et que le pouvoir magique finisse par s'éloigner de nos déserts de sable. Brrr. Ça me fait mal de vous voir aussi mou du genou, vous, les descendants du glorieux ciel. Étrange, ou quelque chose comme ça. Quel esprit surprenant! C'est pas vrai! On dirait un chocobo! Retrouver sa forme. C'est toi que j'invoque, Titan! Devenu comme avant. Je me demande bien ce qui a pu arriver à Kazé et à Oméga. Alors, Shobi, où tu en es? Tu es sûre que tu ne veux pas rejoindre tes copains? Qu'est-ce qu'il vient de dire? Il dit qu'il ne peut pas nous laisser avec nos problèmes. Comment? C'est ça, Oméga? Mais c'est minuscule.
Omega est doté d'une immense soif de destruction. Si cette soif est réprimée, il se coule dans une petite forme comme celle-ci et attend un moment plus propice pour épancher sa soif. Pour commencer, nous avons mis la main sur ce premier morceau. Non, Oscar chéri. Avec le mien, ça fait deux. Vous en avez trouvé un aussi, Dans les profondeurs océanes, j'ai pu tout à mon aise m'emparer de ce cristal d'Oméga. N'est-il pas somptueux? Mackenzie, mon bébé. Wow. Ah, il est énorme. Il n'a jamais été question d'un concours du plus gros cristal. À partir d'aujourd'hui, vous serez l'un des 5 seigneurs de Gojum. Oh oh. Il semblerait que le seigneur Fungus soit de retour, lui aussi. Fungus, montrez-nous votre morceau d'Oméga. À vrai dire, je suis en train de poursuivre mes recherches à l'heure actuelle, Excellence. Mais j'ai tout... Vous savez que lorsque vous ne faites pas ce que je vous demande, je deviens fou de rage. Nuage blanc. Oméga. Non. Mon véritable ennemi, c'est Nuage blanc. Mackenzie. N'est-ce pas le seigneur Fungus que j'aperçois? C'est justement la personne que je voulais voir. Qu'est-ce qu'il me veut, le bouffon? Ma petite amie Crux vient de découvrir un endroit qui pourrait vous intéresser au plus haut point, cher Fungus. Il semblerait qu'il puisse augmenter la force de votre pouvoir. Vous avez bien dit « augmenter la force de mon pouvoir ». C'est ce que j'ai dit. Cela n'a rien d'étonnant, parce qu'il s'agit effectivement de votre ville natale, seigneur Fungus. Qu'est-ce que vous racontez? Il y a de cela fort longtemps, lorsque votre monde a été anéanti par le chaos, le pays... Oh, c'est vrai ce que vous me racontez, cher Oscar? Je n'arrive pas à croire que vous ayez retrouvé ma ville. Oh, dans mes bras! Ah! Ah! Oh, cela fait si longtemps, mon cher Oscar. Étant le seul survivant de tout mon peuple, j'ai prêté serment au comte dans l'espoir que mon rêve se réaliserait, de voir un jour mon monde reconstruit. Oui, je le sens, ce très vieil espoir renaît aujourd'hui. Hé, hey, les amis, vous ne trouvez pas que ça sent bon ici? J'ai une faim de l'eau. Il faut faire attention. Je crois que cette odeur vient des champignons qui nous entourent. Salut, pauvre petite chose. J'aimerais bien... Kazé, super, venez. C'est étrange. Il y a ici quelque chose de très différent des autres endroits que nous avons visités. Quelque chose de... Et cet endroit sera bientôt celui de votre tombe. Celui de ta tombe. Vous apprendrez à vos dépens que tout ce qui vit dans cet endroit me donne de la force et du pouvoir. Kazé! La terre est mon pouvoir et ma force. Thank you.
C'est toi que j'invoque. Ixion! Jamais tu ne parviendras à me vaincre, tu m'entends? Jamais! C'est parfaitement impossible! Il est parti! À mon avis, il va pas se laisser tuer aussi facilement! Monde, je suis absolument invincible! Invincible! Je tremble. Non, c'est toi qui seras mis dans la tombe, car la terre te réclame! Mais de quoi parlez-vous, grain de poussière? Toi que j'invoque! Phénix! Ah. Ah, 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 ah. Quelle sensation étrange! Le fourmillement d'avant se combine maintenant avec la brûlure de cette charge puissante. C'est très intense comme chaleur. Je me demande même si ce n'est pas un peu trop. Oh, 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 oh. Détruit absolument tout ce qui vivait dans ce monde. Et là, pas si vite. On dirait que c'est pas fini. Oh non, oh. C'est pas vrai. J'allais mourir. Vous vous rendez bien compte que votre magin est sans effet contre mon pouvoir? Je suis sérieuse. Allez aussi loin que possible. Il ne faut pas rester près d'ici, les enfants. Je compte sur vous, hein. Lisa! Hé, Lisa! A-t-il bien pu passer? Que vous ayez un léger problème. Et je vais d'ailleurs vous retenir prisonnier dans les entrailles de mon monde. Ah 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 ah. Magnifique! Chargé de sport, j'ai du mal à respirer. Veuillez m'excuser. Où allez-vous de ce pas, Mackenzie, seigneur de Godium? Vous ne voulez pas nous le dire? Je pars à la recherche d'Oméga.
Vous devez vous sentir un peu responsable d'eux, non? C'est l'appel du champ de bataille. Un nuage immense, une sorte de brume. Jamais dû te réveiller. C'est qu'au cours du combat, ton magin a refusé de fonctionner. Tu ne peux plus t'en servir à volonté, n'est-ce pas? Tu ne peux plus compter sur lui lorsque tu en as besoin. Pas évident, tout ça. Je vais te renvoyer dormir dans le prélude de la lumière, interprété par la brume. Prélude de la chaleur blanche. Préparez-vous à être exécuté devant son Excellence le Comte. Qu'est-ce que vous en dites? Hey. Hein? C'est cette maudite brume. Ça ne peut être que Mackenzie. Que voulez-vous, Mackenzie? Il n'y a rien ici qui puisse vous intéresser. J'aime pas son apparence. Vent Noir est toujours vivant. Quoi? Il n'a pas été dévoré par les spores? Je viens vous offrir le privilège de l'achever vous-même. Et... Oh, 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 super solidification! Ah! Oh, putain, arrêtez d'enfler comme ça, vous êtes... Où êtes-vous, maudit Vent Noir? C'est la même que le jour où mon monde a été infesté par la pourriture. C'est le même cauchemar épouvantable qui revient me hanter. Un cauchemar! Un véritable cauchemar! Comme quand mon monde a été détruit. Aujourd'hui, c'est votre tour. Votre cauchemar va bientôt prendre fin. Et vous avec lui, pauvre minable! Ah, 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 ah. Oh, mon corps, mon...
mon pauvre corps. Il a été décidé d'utiliser contre toi ces trois charges de terre. Le rugissement du ciel embrasé de flammes, horizon d'or. Poignard de la pluie furieuse, flèche noire. Et pour finir, la lumière qui creuse un fossé dans l'éternité, argent photon. Détruit, c'est toi que j'invoque, Maître Météore. Quelle puissance! Il faut que je vous avoue, Vent Noir, qu'avoir été votre dernier adversaire a été un moment délicieux et un... Et je peux dire, après tout ce temps, alors que je me trouve au seuil de la mort, que vous êtes bien un illimité! Pleinement satisfait, votre excellence. Ah, voilà qui est bien. Finalement, en repensant à Fungus, je me dis qu'il a fait du bon travail après tout.